Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Mais nous pas perdre du temps, nous commencer. Cool, yeah. Il y a environ 3600 timons en plus qui ont une chance de recevoir l'éducation pour l'année académique 2020-2021. 10 écoles fondamentales construites dans le département centre, 2 dans la Tibonite, grâce à la coopération entre Haïti et le pays Japon pour en valeur 35 millions de dollars américains. 12 écoles sont offertes en béton armé, équipées avec toute fourniture pour permettre aux élèves d'apprendre dans de bonnes conditions. Bâtiments alimentés à un système à énergie solaire, espacieux qui a servi tout, abri provisoire en cas de catastrophe naturelle. Ministre de l'Éducation nationale, Pierre Josué, âgé Nord-Cadet, insisté sur l'accès à la bonne qualité d'éducation si vous avez besoin. Premier ministre Joseph Jout dit qu'il est satisfait de la construction de l'école SAO qui totalisait 90 salles classe. Réalisation ça rentre dans le cadre, comme en profondeur, président Jovenel Moïse lancé. L'idée c'est de permettre si vous qui dans une zone reculée, dans le pays, a la même chance avec si vous dans grand ville, dans affaire l'éducation. Première dame République là, Martine Moïse expliquait construction 12 l'école fondamentale Sayo entrée en ligne droite à vision président Jovenel Moïse Gaye pour bailler pays à 15 000 salles classe. Première dame République là, premier ministre là, a profité distribuer manuel à kit scolaire par élèves l'école nationale Guimala Rio à représentant l'autre 11 nouveaux écoles qui étaient présents dans la cérémonie. Voilà, de cela 2 ans, depuis qu'a eu lieu la pose de la première pierre alors. Pour la construction de 12 écoles fondamentales dans diverses sections communales du département du Centre et de l'Antibonite. Ce projet entre dans le cadre de partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle avec la coopération japonaise, suite à un accord signé en juillet 2018 en vue de renforcer le parc scolaire dans le pays et d'augmenter l'accès à une éducation de qualité pour les enfants qui évoluent dans les milieux défavorisés. Ce matin, je suis enchantée de prendre part à la cérémonie inaugurale de ces 12 écoles qui viennent matérialiser la vision de l'administration Moïse et du gouvernement Jout en matière d'éducation visant à assurer l'accès à toutes et à tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité. Il s'agit en effet de permettre à chaque section communale du pays d'être dotée d'un établissement scolaire, en particulier dans les zones d'accès difficiles. L'objectif global est de construire environ 15 000 salles de classe. Construction 12 l'école Sayo, c'est une réponse à toutes parts dans le bas plateau central, le haut plateau central et dans la Tibonite, qui chaque année il y a un gros problème parce qu'il n'y a pas de moyens pour voir les petits sur l'école. Moi, je voulais dire, nous, le président Jovenel était en dérèl, nous. Je dis, lui montrer nous, Jean Sadine, dans l'objectif développement durable, ODD, toutes les filles et tous les garçons doivent avoir accès à une bonne éducation et puis ils doivent joindre opportunité d'apprentissage qui est utile pour tout le reste de la vie. Comme ça, je dis, accès que plusieurs milliers de timons dans le département centre avec la Tibonite a gagné dans le système éducatif haïtien pour contribuer à réduire la quantité de monde qui n'a pas connu à écrit dans le pays. Il y a une chose qui fait plus plaisir, c'est ouais avec la réalisation du projet ça, plus de filles dans la zone rurale pas une chance pour qu'on lit à écrit. Ça qui a permis de gros avancer dans la bataille Tifi avec femme à mener chaque jour pour droit respecter si tout droit pour éducation. L'important pour reconnaître l'investissement nous fait dans l'éducation chaque Tifi et chaque petit garçon dans le pays, c'est un grand espoir nous planter qui dans quelques années encore pour le bourgeonner citoyen et citoyenne honnête, capable, conséquent, qui pour le porter changement et développement nous tous souhaiter dans le pays. Parce que pour le bladi, si moun jodi, grand monde demain, c'est eux qui pourront le remplacer nous. C'est eux qui pourront prendre la relève.
En ce sens, je tiens à remercier le gouvernement du Japon. Ces édifices solides, antisismiques, paracycloniques, ont, durant la période de leur construction, permis aux ouvriers haïtiens de bénéficier de transferts de savoir-faire et des techniques japonaises de construction des bâtiments résistant aux catastrophes naturelles. Toute ma gratitude au ministère de l'Éducation nationale et à la formation professionnelle, au ministère des Travaux publics, à la direction de génie scolaire, à la direction de l'enseignement fondamental, assistée de la direction du curriculum et de la qualité, et de la direction de la formation de perfectionnement, aux firmes haïtiennes et aux ouvriers qui ont mené à bien l'exécution de ce projet avec respect, rigueur, exactitude, pour fournir une performance irréprochable et satisfaisante. Car, soulignons-le, au-delà du bâti, il y a eu aussi toute la collaboration interministérielle, cette symbiose gouvernementale ainsi que la coopération japonaise pour l'amélioration de l'apprentissage dans le département du centre. Mesdames et messieurs de la communauté éducative, chers parents, chers écoliers et écolières, l'année 2019-2020 a été à plusieurs reprises perturbée par des crises sociopolitiques et l'arrivée de la pandémie coronavirus COVID-19. Notre pays a été obligé, durant plusieurs mois, d'imposer la fermeture temporaire des écoles. Cette situation a retardé les progrès majeurs que nous avions tant souhaités dans le domaine de l'éducation en vue d'accroître le taux de scolarisation dans le pays et améliorer l'accès à une éducation de qualité pour tous. Grâce à la vigilance du ministère de l'Éducation nationale et des acteurs impliqués dans le domaine, nous avions pu redresser la barre et éviter le pire. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, surtout entouré de ces charmantes petites écolières, afin de procéder à la remise au gouvernement haïtien de 12 écoles nationales des départements du centre et de l'Artibonite, pour un total de 90 salles de classe qui ont été reconstruites avec le support de la coopération japonaise au bénéfice des enfants haïtiens. Ces constructions parasismiques ont été réalisées par la firme de construction japonaise Tokura Kensetsu, que je profite pour chaleureusement remercier, tout en saluant l'engagement, la diligence et le professionnalisme de leurs techniciens qui ont su et mené à bon terme ce projet avec des résultats aussi intéressants malgré la situation extrêmement difficile du point de vue socio-politique et sanitaire. Applaudissons-les chaleureusement. Merci. Donc, ils sont là. Permettez-moi également de saluer et surtout remercier la bonne collaboration et le support moral indéfectible des autorités haïtiennes depuis le démarrage des travaux jusqu'à cette présente minute où nous ignorons ensemble le produit de cette fructueuse synergie. Je voudrais d'une manière toute particulière féliciter les différentes parties prenantes communautaires ayant joué un rôle quelconque dans l'avertissement de ce bureau beau travail. Le Japon se réjouit déjà de l'impact positif de cette contribution dans l'élargissement du parc scolaire haïtien et du système éducatif en général. Mesdames et messieurs, au regard des liens d'amitié qui unissent si longuement les peuples japonais et haïtiens, c'est avec fierté et un sentiment fort de fraternité que nous avons contribué à ériger ces 12 écoles au profit des différents communautés bénéficiaires et surtout des écoliers haïtiens. Toutefois, nous jugeons malheureux que
des catastrophes naturelles et sanitaires, ainsi que des troubles sociopolitiques que ralentissent aussi grandement le rythme scolaire et ne cessent de saper les fondements existentiels même de la nation haïtienne. J'associe ma voix à celle du président de la République, son excellent Jovenel Moïse, pour célébrer, au terme de 22 mois de travaux assidus, la concrétisation et la cession des clés de 12 bâtiments et de 90 salles de classe, ouvrage résultant de la coopération haïtiano-japonaise. Je tiens donc à remercier le peuple du Japon et le gouvernement du Japon pour le financement à hauteur de 35 millions de dollars américains de ces infrastructures scolaires. L'équipe du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui a assuré le suivi de l'exécution des travaux au nom du gouvernement haïtien. Je tiens aussi à remercier les élus locaux qui ont facilité la réussite de ces travaux, sans oublier les firmes et leur personnel technique pour la qualité des ouvrages livrés. Les 12 bâtiments que nous inaugurons aujourd'hui, dont certains vont de la première à la 9e année fondamentale et les autres de la première à la 6e année fondamentale, sont répartis à travers plusieurs communes des départements du centre et de l'Artibonite. Cette augmentation du parc scolaire met en exergue la volonté affirmée du président de la République, le chef de l'État, de respecter sa promesse de construire 15 000 salles de classe, et ceci à travers tout le pays, en vue d'étendre les services et les infrastructures de base aux couches les plus vulnérables. En effet, avec cette inauguration, ces bâtiments scolaires arrivent en ce début d'année académique 2020-2021 pour accueillir pas moins de 10 à 12 000 enfants scolarisables pour une moyenne entre 800 et 900 élèves par établissement. Comme vous le savez, les estimations les plus modestes font état de nombre grandissant d'enfants en âge scolaire à travers le pays. La demande scolaire sera donc en croissance pour assez longtemps. Aussi, en marge des félicitations et des remerciements adressés, convient-il de rappeler l'obligation qui incombe à tout un chacun de protéger et de préserver ces lieux de savoir et d'apprentissage. Nous joignons il y a près de 60% de l'école nationale fondamentale qui n'a pas de troisième cycle. Eh bien, tout mettre qui en plus ça, nous allons mettre dans l'école qui a un espace et ça pas espace, pour créer espace. Jean, directeur de communication, te dit là. Je dis à là, nous avons un pays qui est en chantier en termes d'éducation. Dans quelques semaines encore, nous allons inaugurer 26 nouvelles écoles fondamentales. Pendant ce temps, nous avons près d'une vingtaine de lycées qui sont en construction. Parmi eux, 10 à président de promettre avec l'argent parlementaire et 2 l'autre encore qui c'est Marie-Jeanne avec jeune fille que Japon nous dit encore merci à permettre nous construire. Eh bien nous dit aujourd'hui, nous ne pas tolérer pour y faire si vous nous souffrir, il faut que vous respectez le droit si vous à l'éducation. Nous même dans l'État, nous prenons toute responsabilité nous. En 2017, augmentation pour professeurs. Actuellement, augmentation pour professeurs. Ça fait 2 augmentations sous administration Moïse là. Eh bien, je dis, nous prenons responsabilité, nous, faut tout le monde prendre responsabilité. Nous ne sommes pas d'accord pour le monde qui toucher l'argent de l'État, qui toucher chaque l'État pour ne pas venir faire coup. Donc ça faut le finir et nous prêts pour nous livrer par ça parce que métier enseignant, ce métier qui est noble, ce métier qui demande caractère, ce métier qui demande pour le monde vivre avec le monde pour le monde. Et récemment, pendant mon salle de classe, je fais coup dans le philo pour une équipe de jeunes filles. Je dis aux bagailles, ils tout tombé rire de guérison. Je me dis, mais qui j'en nous senti nous? Pour nous-mêmes, j'aime des gens qui ont les têtes enseignants, qui ont un vrai enseignant tout. Mais des gens qui ont les têtes enseignants, qui ont fait des gens souffrir, qui ont fait casse dans la rue, qui ont boulé quand tu es dans la rue. Tout le monde qui a fait. Même dire que
ça a son véritable choc pour toi ou même ou à l'école. Et puis pendant la ria, où est un monde qui est le tête qui pourrait se capcaser vite machine en moi que papa. Lorsque dans la salle de classe, c'est lui qui campait devant. Et même dit ça, lui-même paraît ça pour le fini. Il faut que l'éthique dans les métiers enseignants. Et nous-mêmes dans l'État, nous disons, nous prenons engagement nous pour nous faire. Et ma première on l'autre fois encore, PM Jout, eh bien, qui lui-même pas ménager et folle. Pendant ma parole là, il y a quelques petits jeunes qui ont répéché dans quelques écoles qui n'ont pas envoyé dossier pour nomination, malgré ça, nous continuons à répécher. Parce que PM Jout lui-même, à deux reprises dans le pays, dans la zone ici, là, il y a deux dossiers à moi et nous vérifions qu'il vrai actuellement toute tête ça au temps fin préparé pour nommer. Et nous disons qu'il y a un système dans l'éducation pour ne pas rien mettre dans la salle de classe qui va nous mettre. Cependant, si on a un après des ordres, la joie avec un grand nid. Parce que dans le pays, tout le monde peut prendre responsabilité, il y a peur pour ne pas manger, il y a peur pour ne pas perdre des postes. Et puis je pense que si nous avons un pays, il faut que tout le monde prenne responsabilité. Parce que quand pile côté nous joignons, c'est quoi des ordres qui l'a fait, nous avons l'école. On met qui parti, les qui ont l'autre qui met pour lui. Lui même là couche chèque chaque mois et puis l'autre qui gambe a dit pourquoi dame nommé alors que c'est pour moun li gambe nous venons des moun tout qui en dans l'école que l'était au directeur de l'école et je me joins n'importe me disait révoquer le sur le champ et puis faire poser verbal yo mettre moun dans salle de classe devant derrière par exemple tout récemment dans la Tibonite nous joignons équipe lettre qui vini à tout chèque pour nous payer nous bloquer tout les dans maintenant qu'à directeur de la Kista là c'est directeur de l'école là qui ça le fait lui mettait toute famille tout petit bout de tout petit zomil, li mette, li voye, c'est eux même qui dans la classe là, et puis moun qui dans la classe là, ça li même qui dans la poste li, et tout chèque ça ou tout ça ou retourne dans la finance pour nous faire l'autre nomination avec vous. Je dis à mesdames, messieurs, en dans le pays d'Haïti, faut que moun qui pour prendre des responsabilités, et selon le pays, chaque fois pour responsabilité, ou a besoin de pile piquant, quoi n'a pas gardé par exemple président Jovenel Moïse, avec une série de décisions de la pensée attention, qui compte. On sait bagaille qui t'a passé depuis en 1804 dans pays ça en un système pèse sous c'est quand un petit groupe monde pensait sur bête pays a jodi a dit non pays a c'est pour nous tous même Jean de Saline te dit au lendemain de l'indépendance il dit pays a ni pour ni monde rouge ni monde noir pays a c'est pour nous lier en nous prend au sérieux. Voilà et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es cap tendre des nouvelles informations. En tout cas tout le monde merci parce que nous t'es branché, pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.